International, BAI, a remercier la presse, présent ce matin, dans la conférence ça. Objectif conférence là, c'est pour nous mettre la presse au courant de lancement d'un pacte électoral que la communauté, la population a signé ensemble avec les candidats. Objectif pacte là, c'est pour changer qui dit candidat élu. C'est fort souvent dans le fin de l'île, ils n'ont pas retourné dans la communauté. Ils n'ont pas rendu compte à la communauté. Mais tout c'est pour mettre, pour permettre d'implémenter les questions de droits humains, particulièrement droit à la santé et droit à l'éducation. Et nous, on a ça fait 200 ans, dans le dit haïtienne et candidat dans le fin de l'île, Jean-Moïse Stodil dans texte à Bosch Chaléran, eh bien, candidat et élu, ils pas retourné dans la communauté. Ils pas parlé avec les gens. Ils ont monté PSP, ils ont pas dit communauté, pour qui ça a monté PSP? Et pour qui ça, ils ont fait li, et qui ça qui avantage à bien la donne, et de fait, population bourrique à quatre classes. Et, à quoi ça, bon, normalement, avant ça, ma population, nous étions toujours un accord qui n'a pas écrit. Les gens qui viennent demander de voter, ils ont objectif et agenda électoral. Et bien, les gens qui votent, ils font un accord qui n'a pas écrit. Et bien, je vous le dis, nous avons un accord qui est écrit. Et qui est un outil qui a dans la même population. Et qui déjà dans la même déjà. Et qui vous permet de faire un accord ça ensemble avec les candidats. Et si vous êtes élu, eh bien, non seulement vous allez implémenter la question de droit à l'éducation et la question de droit à la santé. Et nous avons dit, si toutefois, à quoi ça, c'est nommé M. Matéli, et bien, madame fait ça, c'est fait, mais la guane. Par exemple, il y a un côté, et article 8 dans l'accord, il dit, moi d'accord pour me reconnaître que je place la démocratie. Droit à moun, à dignité moun, c'est peut-être ça. Moi, d'accord pour me faire campagne, moi, dans le cadre d'un programme qui respecte la dignité à droit de l'homme. Donc, si monsieur a respecté la dignité de l'homme, s'il a respecté le droit de l'homme, eh bien, nous sommes d'accord pour ça, il va pas le faire, ça a été fait, ça a passé de la voie. Qui s'attend dans le pacte là? Je me suis dit tout à l'heure, le pacte là, toujours il y a un pacte entre la population et avec le candidat. Mais, il n'y a pas écrit. Mais dans ce qui est écrit là, nous mettons dans la même population pour signer avec le candidat. Et bien, il y a un premier posé dans le préambule, c'est ça, ils sont tous d'accord. Droit de dignité, mon égal est bon. Mais tout, dans la deuxième partie, il y a un engagement candidat à prendre. Et l'engagement, ça, il prend, dans différents articles qu'il a, il y a un pour le faire implémenter et faire respecter droit à l'éducation, droit à la santé. Et il y a un article, moi ce qui est important, que la population embrasse dans la zone côté de qui est en gagné par la même déjà, c'est l'article 9 là. Si je passe dans l'élection, je promets de retourner dans la communauté. De manière périodique, chaque fois la communauté m'a demandé ça. Et pour me chita, parler avec ma dame, je vais informer sur toute action et décision que je prends dans le poste que je gagne dans l'élection. Donc, son accord qui est vraiment important. Qui côté accord ça a sorti? Accord ça a sorti dans l'initiative que BAI prend pour te mettre sous pied depuis juin 2014, il y a un programme que nous appelons le programme engagement civique. Nous pas dit programme éducation civique, nous dit engagement civique, qui généralement dans la première phase, nous déjà dans quatre communes, et nous avons mis un balai, c'est M. Anel, et Dorzin et Cap Dirigel, nous dans La Chapelle, c'est Maître Mon Désir Jean Bernard, nous dans Boucle Carré, c'est Maître Job et Jeanne et Kenol, et qui a dirigé ce dos. C'est dans quatre brasseries de la communauté
Et programme PEP là, qui c'est engagement civique, hein, c'est côté, nous gagnons avocat communal, nous gagnons animateur, nous gagnons accompagnateur qui accompagne la population hein, pour engager ou pour défendre la tête dans la question de l'amour. Donc c'est des gens qui ne sont pas libres et qui n'ont pas de compétences, c'est des gens qui vivent dans le milieu défavorisé, mais qui apprennent le droit et n'a fait ou n'a contrôlé le droit pour défendre la tête. Et c'est dans la salle de ça, l'initiative PAC la vie, pour dire, nous ne pouvons faire verbal, on fait écrit. Donc, je vous dis à nous présenter la presse, mais nous demandons tout, toute organisation, quel que soit côté d'un pays, parce que BAI n'a pas de capacité pour le faire arriver dans tout le pays, sauf là sur Internet, là, nous sommes capables de prendre, nous carrément BAI, nous carrément personnel. Non, et je compte téléphone, tout le monde a son téléphone. Je vais arriver dans 2943-2107. Je vais demander de faire un accord parce que vous voulez. Si vous avez formation, il y a une formation pour permettre de signer PACLA avec candidat. Donc, c'est généralement PACLA pour changer la relation qui gagne entre candidat avec électeur. Les gens qui voter candidat, yo, il y a des fois qui disent couper, tout. Il y a des fois qui ne pas même passer, c'est à vite filmer, ils passent dans un. Ils ne pas retourner. Donc, pas ça pour le permettre et pour le changer, si grâce qu'il dit entre candidat avec avec électeur. Et pour le gagner, on fait sortir, on allait venir entre électeur, parce que pas souvent, Moïse Sisto dénonce dans le texte de Chaléran, monsieur, au fil de votre là. Et après 4 ans, c'est après 4 ans, il retourne. Il ne pas connaître qui j'aime mieux vivre, si vous avez de l'hôpital, si vous avez l'hôpital, si vous avez l'école, pour les faire dans la communauté, pour attendre les gens, pour travailler pour eux. Voilà, ça nous a voulu présenter la presse matin.